Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui les Gémeaux, je vais vous proposer votre guidance de la semaine. Donc on va faire une ligne générale, une ligne professionnelle et sentimentale. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire ou lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. N'oubliez pas de regarder vos signes lunaire et ascendant, ça peut être vraiment très complémentaire pour vous. Et puis des fois on peut être plus connecté à son lunaire ou à son ascendant. Donc, tout dépend les semaines, les périodes. Donc c'est parti, on va commencer avec vous, donc les Gémeaux, pour cette semaine du 1er au 7 août. Donc bienvenue à août. Donc dans votre général, qu'est-ce que je vois pour vous les Gémeaux? Dans votre général, hop, alors elle se pose sur ma main, on vous parle de simplifier. On vous demande de vous simplifier la tâche ou vous simplifier la vie. Peut-être que vous prenez les choses peut-être avec beaucoup trop, comment dire, peut-être pour certains, vous avez un petit peu trop de poids à porter. Vous avez beaucoup de choses sur les épaules et on vous dit peut-être tout simplement de vous simplifier la vie ou de faire des choses un petit peu plus simples. Pour d'autres, vous êtes en train de mettre ça en place justement. Vous êtes en train de mettre en place plus de solutions ou de moments simples, agréables un petit peu qui vous aident à relâcher un petit peu. Allez, on continue sur le professionnel. Oh, j'adore, elle est magnifique. On vous parle de timing. On vous parle de timing. On vous parle d'un temps. Il y a un bon moment. Il y a un bon et un mauvais moment. D'un autre côté, on vous parle de temps. Un besoin de retrouver du temps. De retrouver une forme de connexion avec vous-même au bon moment. Il y a cette notion de simplifier la vie là, parce que là peut-être vous avez beaucoup de travail, vous avez beaucoup géré, et là vous avez peut-être envie de faire les choses autrement au niveau professionnel, vous autorisez des moments, du temps, des choses comme ça, ou des bonnes. Il peut y avoir aussi des choses qui se mettent en place pour justement aller vers quelque chose de lumineux, mais pour pas justement repartir dans quelque chose de trop compliqué et de lourd. Au niveau sentimental. Magnifique, on a l'engagement. Ok, bon ça c'est positif, hein. On vous dit que vous avez un engagement d'une personne, de vous-même, envie de s'engager avec une personne parce que c'est le bon moment. Pardon. Parce que on est au bon timing, c'est le moment parce que les choses sont plus simples. Vous avez peut-être simplifié quelque chose parce qu'il était temps de le faire. Visiblement, du coup, il y a un engagement de cette personne, de vous. Il y a peut-être un besoin aussi d'être un peu dans sa bulle ou justement vous l'étiez trop à voir. Ok, allez, on va voir avec l'oracle Béline pour vous, les Gémeaux. Allez, sur votre général, on a les trafics. On vous parle de papier, on vous parle d'une situation, ça peut être les banques, les assurances, les mutuelles, tout ce qui est en rapport au papier. On vous parle de simplifier quelque chose à ce niveau-là. Vous avez besoin un petit peu de vous simplifier la tâche ou il y a un besoin aussi, peut-être vous attendez quelque chose là, au niveau d'un contrat ou de papier important. Pour justement vous simplifier la tâche. Alors, sur votre professionnel, qu'est-ce que j'ai? On a la passion. On vous dit que c'est le bon moment par rapport à une passion. Vous êtes peut-être en train de... Ça me montre une personne, en fait, qui est peut-être en train de voir la... Enfin, comment expliquer ce que je vois? C'est compliqué des fois, mais... J'ai cette notion d'une personne qui a besoin... qui n'a pas pu avoir pendant un moment ce qu'elle voulait au niveau professionnel. Et là, on vous parle de quelque chose qui revient vers vous. Il y a quelque chose, c'est le bon moment, c'est le bon timing visiblement pour pouvoir avoir cette passion, cet amour. J'ai l'impression que ça découle un peu de tout là. J'ai l'impression que votre sentimental déborde aussi. On va voir au niveau sentimental. Oh là là, magnifique. La renommée, magnifique. Pour moi, il y a quelque chose qui vient se simplifier dans votre vie. Bon, je vais les mettre là, parce que ça m'embête à chaque fois de tendre la main, ça passe, c'est pas joli.
on a cette notion de trafic, on a cette notion, j'entends quelque chose qui est, vous attendiez quelque chose, j'ai l'impression, où il y avait des choses à régler ou à revoir. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être sur des choses personnelles. Et j'ai l'impression que vous, là, vous, c'est comme si ça vous montrait qu'il est temps aussi de, il est temps aussi de faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, ou d'aller dans une relation qui vous plaise et qui vous passionne. C'est comme une forme de rééquilibre, j'ai l'impression. Là, il y a un engagement, mais très, 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 très important au niveau de votre sentimental. Allez, on continue. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette semaine du 1er août au 7? Elle arrive direct. Miroir magnétique, quelque chose qui vous revient. Je vous dis, vous attendez quelque chose là, qui se règle. Vous attendez quelque chose qui vient à vous, qui revient à vous. Il y a quelque chose qui a été pris en compte. Et donc, du coup, ça vous emmène à des choses plus légères, j'ai l'impression. Sur votre pro, on parle de choix. Enfin, de choix, de carrefour. Mais c'est ça aussi, hein. On a ce mot choix qui est là. De faire un choix, d'un bon timing. D'un bon timing pour faire un choix. Un choix de passion, un choix peut-être qui pourrait sembler irraisonnable, irraisonné, qui n'est pas raisonnable peut-être pour certains. Mais pour vous, vous sentez que c'est le bon moment, j'ai l'impression. J'entends ça depuis tout à l'heure. Et là, vous attendez peut-être quelque chose qui arrive au bon moment pour pouvoir justement vivre de cette passion ou avancer de cette passion ou quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on a les contrats. Alors pour certains, il y a des engagements, hein, des mariages, des signatures. Il y a cette notion de quelque chose, d'un engagement. Il peut y avoir aussi au niveau d'achat, de maison, de projets concrets. Je vais y arriver. De projets concrets pour vous. Il y a vraiment cette notion de passer des grandes étapes au niveau sentimental. On est prêt à avancer. Il y a des accords retrouvés. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui vient très très positivement. Là, c'est magnifique. Allez, on continue pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine sur votre général. Encore cette notion de temps. Très important. C'est le cas de le dire. Très important, cette notion de temps. Il y a un temps pour tout. Là, il y a un temps pour soi surtout, j'ai l'impression. Il y a un temps pour soi, un temps pour... c'est comme si là, vous aviez passé des turbulences, les Gémeaux, et que là, d'un coup, les choses s'apaisent. Vous avez des choses qui s'apaisent. Il peut y avoir aussi des trucs juridiques qui reviennent quand même. Vous allez peut-être avoir un retour de quelque chose du passé au niveau juridique. Et on vous parle de simplifier les choses pour pouvoir justement les dégager, j'entends. Ok, au niveau pro, j'en ai trop. On arrive au trop. On a une femme calme et posée. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. On est en séance générale, donc ça peut parler un peu plus si ça vous concerne en tant que femme et vous vous reconnaissez. Si vous êtes un homme, et ça peut parler d'une femme autour de vous, mais ça peut aussi parler à un homme, même si l'essentiel c'est que vous, voilà, ça vous parle en fait. Et là, on a cette personne qui a besoin de prendre un temps d'observation. Quelqu'un qui fait preuve de calme, qui a besoin de retrouver du calme, qui a besoin de moments plus apaisants, qui a besoin de se simplifier les choses, quoi. Il y a un temps pour tout, en fait, j'entends. Puis tout à l'heure, j'entends cette phrase, les guides font que me répéter. Vous avez un temps pour tout. J'ai l'impression que vous essayez de tout gérer en même temps, mais c'est compliqué du coup. Et au niveau sentimental, on a une maison. Ah, vous voyez ? Pour certains, il y a des achats de maisons, d'avancer par rapport à une maison, à quelque chose qui vient à ce niveau-là. Pour d'autres, ça parle du foyer, hein, tout simplement, ou de votre maison intérieure si vous êtes en célibataire. Ça peut vous parler peut-être vous aussi, peut-être vous allez faire un engagement peut-être au niveau d'une maison. Vous allez peut-être louer, acheter, quelque chose comme ça. Il y a peut-être ça aussi qui se débloque de votre côté. C'est pour ça que vous attendez peut-être un retour de banque, de quoi que ce soit, hein, d'administratif.
Ça peut être aussi cette notion d'un foyer, en fait. Pour certains, il y a quelque chose où vous avez envie de vous engager et d'avancer avec cette personne et vous vous engagez. Il y a comme un contrat, alors ça peut être un vrai contrat, mais ça peut être un engagement verbal. Vous vous engagez avec cette personne, peut-être vous attendez que cette personne s'engage avec vous, et visiblement c'est le cas par contre. Hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. Il y a quelqu'un qui s'engage à tenir quelque chose qui a été dit comme un contrat ou une signature qui peut s'enclencher aussi pour vous. Donc c'est super, super positif. Là par contre, il y a vraiment une notion de temps sur cette semaine. Hein. Le temps, ça va être quelque chose d'assez important sur cette semaine. Alors, soit vous prenez sur vous, il y a des choses à attendre, soit vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être des choses qui doivent arriver au bon moment, qui vont arriver au bon moment, vu qu'on vous parle de timing. Donc, voilà, il y a cette notion de flottaison au niveau du temps pour pouvoir justement vous aider à avancer. Vous attendez quelque chose, c'est ce qui bloque un petit peu, mais qui justement va quand même vous emmener à du positif. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça va vous parler, ça va pouvoir vous aider pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est super important pour moi de mon côté. Et puis vraiment, pour le coup, ça fait très très plaisir. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent, qui vous mettez des petits commentaires. Moi, pour moi, c'est important. Vous êtes une communauté pour moi importante. Donc voilà, on est tous ensemble dans le bateau. Donc en tout cas, merci pour tous ceux qui le feront. Et puis bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site ou avec mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans les renseignements sous ma vidéo, donc n'hésitez pas. Si le cœur vous en dit, vous en ressentez ce besoin, ben voilà, je suis là aussi également pour ça. Sur ce, je vous souhaite tout plein de jolies choses pour cette semaine et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous.